comprendre. Mathilde reçoit une situation de problème en mathématiques. La première chose qu'elle fait, c'est son survol. Elle feuillette le document. Elle regarde les images. Elle lit les sous-titres. Elle est maintenant prête à lire avec le reste du groupe et son enseignant. Pendant ce temps, Mathilde suit avec son doigt. Oh! Mathilde bute sur un mot difficile. Elle se pose des questions. Elle lève sa main et l'enseignante lui explique le mot. Elle peut laisser des notes sur sa feuille pour s'aider. Il faut s'assurer de bien comprendre tous les mots de la situation problème. Mathilde fait maintenant ses stratégies de communication. Elle identifie les informations utiles et les contraintes. Elle met en évidence les mots questions et la mission. Elle peut utiliser des surligneurs ou des crayons de couleurs différentes. Elle peut aussi encadrer ou encercler les informations mathématiques importantes. Maintenant que Mathilde a bien compris la situation problème, elle est capable de l'expliquer dans ses mots. Elle pourra ainsi mieux s'organiser. D'ailleurs, s'organiser, c'est notre prochaine stratégie.